Salut, c'est Castor Mother et je suis avec Veda pour un nouveau 2 minutes pour dessiner. Et on va faire la proposition Non, on t'entend pas quand tu parles en fait. Donc on va faire la proposition de Romain Mattia, dit Geeks Rome, qui nous a proposé Kylo Ren en princesse Disney. Encore du Star Wars. Ouais, encore du Star Wars, ouais. C'est incroyable, ouais, mais c'est vraiment... Et on comprend pas, il dit qu'il a peur. Voilà, il a peur. Il a peur de perdre. Allez, Boida, ça va bien se passer. On y va ? Tu es prête, Castor ? Ouais. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Kylo Ren en princesse Disney. Moi, je suis parti sur un Kylo Ren sans le masque. Moi, je tente le masque. Je tente le masque quand même. Même si c'est totalement suicidaire. Et en plus, t'as pas vu le film. Oui, oui. Oui, je n'ai pas vu le film. Mais j'ai vu aucun Star Wars, en fait. Voilà, je suis désolée. Je sais que je baisse dans l'estime de tout le monde. Ah. Ouais, je suis navrée. Rien que pour ça, les gens, moi, je dis, elle doit perdre. Bon, si je passe trop de temps sur le visage, on est à 30 secondes, on est à 30 secondes. Ah oui, d'accord, faut quand même que je me dépêche. Oui, voilà, ça ressemble pas du tout à Kylo Ren, mais vous allez voir avec les oreilles, ça va être flagrant. Je lui fais une robe de princesse. Hein, ça va être flagrant, voilà. Je lui mets des boucles d'oreilles, hein, voilà. Et ses jolis cheveux. Il y a mon pinceau qui déconne. Mon pinceau, il est pas assez... Ouais, non, cherche pas d'excuses. Bah là, je te jure. Cherche pas d'excuses. Je te jure que c'est la galère. Non, c'est mort. Je peux pas faire les cheveux. Il reste une minute. Mais tout le monde a compris que c'est Kylo Ren. Hein. Oui, on va dire, attends, j'ai raté son pied. Et moi, je peux pas dessiner. Voilà. J'ai fait une gueule trop bizarre, on dirait une gomme. J'ai même pas commencé la robe et j'ai pas de cheveux. Je crois que j'ai pris le mauvais, il est sur la table. D'accord. Merde, j'ai pris le mauvais. Voilà. Il reste 30 secondes. Franchement, je suis pas en stress. Pour l'instant, je lui ai fait du maquillage, une grande bouche. Et je vais lui faire une robe. En 30 secondes. Ouais. Ouais, regarde. 30 secondes. Moi, je voulais lui faire un escalier, genre en mode Cendrillon, en fait. Voilà. Il a une énorme tête. On capte absolument pas. Tu vois, moi, il soulève sa robe comme ça. Ouais, je regarde pas ce que tu fais, parce que t'essayes de me... Mais regarde! De me détourner. Non, j'ai trop peu de temps. C'est trop naze! Il reste 3 secondes, merde! Bon, merde, je fais des machins comme ça, je suis... Ouais, je suis lisse. Putain! Il est magnifique. Non, mais... qui danse un peu la Java, la polka. J'ai perdu un temps de ouf avec mon crayon. Bah oui, j'ai pris t'es le mauvais. Nul. T'es naze? Non, oui, il a dû voir que j'ai essayé pendant au moins 30 secondes de faire les cheveux quand même. Tellement. Il a c'est une pas... chaussure trop chelou. C'est pas grave, on a bien rigolé. Mais c'est vrai que du coup, il ressemble à un canard. Oui. Moi, je suis vraiment d'accord que le masque de Kylo Ren, il ressemble à un canard. Oui. Moi, je le trouve il pas terrible. Vraiment un canard. Je trouve pas terrible. Moi, je le trouve nul à chier aussi. Mais ça me fait penser à l'épisode T'inquiète de Doctor Who. Are you my mommy? On a tous les deux fait quelque chose d'exceptionnel. T'as même fait les escaliers, putain, je viens de voir. Ouais. Moi je suis déçu parce qu'il a un plus grand front normalement. Vraiment, vous connaissez les oreilles quand même. Les cheveux, oui, heureusement. On remarque l'effort. Bah, tu regarderas l'épisode et tu verras que tu gagnes bien 30 secondes de dessin facile. Ouais. Bah, j'en doute pas une seule seconde. T'as vu, j'essaie de faire des dentelles là à la fin. Mais juste avant la fin, j'ai fait. Bah, on voit. Mais on dirait qu'il danse une sorte de country chelou. Non, il fait la référence. Mais il est content. Il fait la référence. Et bien, oui, il est content d'être en princesse. Il est content d'être en princesse. On le sent à l'aise. Ouais. Ouais. Youpi! Dansons la carioca! C'est bien! Faites tous comme moi! Castor, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. On va arrêter là de discuter de nos magnifiques dessins. Vous pourrez les télécharger si vous voulez, on va les scanner, bien sûr. C'est magnifique. Continuez à faire des propositions pour tous les 2 minutes pour dessiner. Parce que il y en a des très drôles, comme celle-ci. Oui, c'était inventif. Et puis, abonnez-vous, Tipeee, etc., etc. Je laisse Castor dire le mot de la fin qu'elle devrait connaître, normalement. Et manger des frites. Voilà. J'ai bugué longtemps, quand même. J'ai eu du mal.